Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. J'ai mis un petit vidéo que j'ai mis sur mon Facebook et ainsi que sur YouTube. Je n'ai pas mis pour juger ou dire des conneries, mais je proclame la vérité. Je sais que la vérité, elle dérange, mais on proclame la vérité. Pour moi, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'annonce, à travers de mes vidéos, je donne des preuves à l'appui. Moi, je n'ai jamais prêché à travers de mon enseignement, de ce que le Seigneur m'a donné, la véritable doctrine de ce que les apôtres ont exprimé, ainsi que le Christ a exprimé, que Jésus, quand il reviendra au jour de son avènement. Tout œil le verra, mais il reviendra jamais invisible. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs et enseignants que je ne juge pas la personne, comme je dis incessamment à travers de ces vidéos. Vous croyez que j'ai de la haine envers vous ou de la rancune, mais en réalité, je ne prêche pas ma propre doctrine, ni mon propre enseignement. Je prêche la doctrine de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai mis des vidéos pour bien prouver ce que le Christ a dit dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, et il demande s'ils sont bien là et s'ils sont bien chez eux. 16, que l'apôtre Paul exprime. Si le retour du Seigneur il s'est pas fait. Si on regardait aussi à l'intérieur. Donc il y a une inquiétude dans le cœur des gens. Verset 7 à 9. Et j'aimerais que voilà, vous regardez cette vidéo et que vous puissiez comprendre que le retour du Seigneur n'est pas basé sur un homme. Tout œil le verra. Il est basé sur des prophéties et sur l'accomplissement des malheureusement. Je vois sur Internet rien n'est basé, excusez-moi, aussi grand qu'il soit l'homme, qui partagent des vidéos soi-disant que Jésus va revenir invisible. Et aujourd'hui, pas basé on voit ces chrétiens, sur un homme. Ils ont cru que notre frère Jésus devait venir de Dieu, que le Seigneur va revenir. À cause des enseignements de ces prédicateurs qui ont enseigné. Moi, je n'ai rien à voir à dire cela. Pourquoi vous avez de la haine envers moi? Et si vous avez de la haine envers moi, si c'est moi, j'aurais prêché ce message et que j'aurais dit le contraire de la Bible, c'est normal. Vous avez dit, Olivier, tu as prêché un faux enseignement, une fausse doctrine. Mais nous, on ne donne pas de date, on ne sait pas quand le Christ reviendra, parce que la Bible nous dit ouvertement, c'est le Christ qui a dit sur sa propre bouche, personne ne peut savoir quand le Christ reviendra, ni les anges, mais le Père seul. J'ai mis des vidéos, ce n'est pas pour juger, parce que si vous jugez moi, vous jugez la Bible. Et ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il a dit ouvertement, il viendra au jour de son avènement. Avènement veut dire paraître venu présent. Ça veut dire que tout œil le verra, selon ce que la Bible enseigne dans l'Apocalypse. Et dans les actes des apôtres, les anges ont dit, ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra et tout œil le verra au jour de son avènement, selon ce qui est écrit. Même le Cossack l'a exprimé à travers de ses études et son enseignement. Mais malheureusement, si les chrétiens ils sont troublés à cause justement de ce qui s'est passé, ils croyaient que Jésus était là et qu'il est déjà venu. Et ils posaient des questions à travers des vidéos de ce prédicateur qui en a reçu. Et ce n'est pas moi j'ai prêché ce faux enseignement. Si les chrétiens ils sont troublés et que maintenant les prédicateurs étant exprimés en disant « Voyez, frères et sœurs, n'écoutez pas tous ceux qui annoncent des prédicateurs et qui annoncent soi-disant des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, c'est écrit dans la Bible comme ça. Mais pourquoi vous ne leur enseignez pas la véritable doctrine et soyez pas en colère envers moi? Parce que c'est pas moi, j'ai prêché cela. Parce que si j'aurais prêché cela et que les chrétiens ils sont très bouleversés ou troublés à cause de ce que était annoncé et que Jésus n'est pas venu et qu'il n'est pas venu ou que Jésus devait venir ou soit invisible, moi, c'est pas ma doctrine. Moi, c'est pas la doctrine là que je prêche, parce que la doctrine là, elle a été formée à peu près en 1800 par Sophie et Darby. Il y a plein de chrétiens qui ont cru que Jésus veut devenir à cause de certaines personnes, de dirigeants qui ont enseigné cela. Vous pouvez regarder Internet, beaucoup de personnes croyaient que le prédicateur, quand il prêchait, il croyait que Jésus devait venir et qu'il n'est pas venu. Et ça, c'est un grand danger. C'est pour ça qu'il se passe aujourd'hui parmi vos chrétiens. Parce que vos chrétiens, ils ont cru que Jésus était devait venir et était déjà arrivé. Et les gens se posaient la question, comment ça se fait?
Et les chrétiens, les pasteurs, ils disent oh oui, mais faut faire attention, c'est pas de cette façon, c'est pas de cette façon que Jésus va revenir. Mais pourquoi vous prêchez pas en réalité la vérité à ces chrétiens de dire que Jésus il reviendra au jour de son avènement selon ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et le Christ qu'il a dit de sa propre bouche, Matthieu 24, lisez-les bien, Luc 21, il exprime, dans Marc 13, il exprime, dans 1 Thessaloniciens 4, parce que Paul il dit, il viendra au jour de son avènement, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 7 à 10, il dit, les anges de sa propre bouche, que Jésus, il reviendra et tout œil le verra. Et ainsi dans l'Apocalypse, dans 1, verset 7 à 9, dans l'Apocalypse, tous est écrit dans la Bible, 318 versets qui prouvent que Jésus reviendra et tout œil le verra. Mais ce n'est pas de cette façon. Et si les chrétiens ils sont troublés, parce qu'ils ont reçu cet enseignement de ce fils de Darby, ce retour invisible. Et malheureusement, c'est ça qui s'en est passé. Et vous devrez savoir, depuis tant d'années, depuis 20 ans, vous prêchez cela, et nous, ça fait 20 ans qu'on vous dit que c'est pas de cette façon. Et ça va de pire en pire, parce que les chrétiens, ils vont croire de ce que vous dites, ils vont croire de ce que vous dites, mais en réalité, quand ils vont écouter ce qu'ils disent, et les choses qu'on n'a pas accomplies. Et c'est à cause de cela que les chrétiens ils vont commencer à poser des questions à votre sujet, de dire que vous prêchez un évangile et que ces choses ne s'accomplissent pas. Moi, je ne juge pas, surtout je ne juge pas les chrétiens, je ne juge pas les serviteurs. Ce que je regarde et ce que je prêche, moi, je prêche la doctrine de ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez regarder mes vidéos et quand vous regardez à travers mes vidéos, vous verrez que je donne des preuves à l'appui. Et pas dire que Jésus revient invisible. Parce que si moi j'aurais prêché cela, alors vous allez dire, regardez le frère, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché le retour invisible et il a dit que Jésus revient venir, hein, il n'est pas venu. Alors regardez, c'est un faux prophète, un faux enseignant. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai prêché cela. Si vous êtes en colère après moi, soyez en colère avec ceux qui ont prêché cela. Parce que moi, je n'ai pas dit cela, moi. Moi, je prêche selon ce qui est écrit. Et si vous ne croyez pas, parce que vous ne croyez pas ce que Jésus a dit, alors. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas ce que la Bible enseigne. Vous ne croyez pas ce que l'apôtre Paul a dit. Vous savez ce que l'apôtre Pierre a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra au jour de son avènement, la terre sera roulée comme un vieux manteau et à être consommée par le feu au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Alors, il n'a pas dit quelque chose d'invisible. Alors, les chrétiens, ils sont troublés. Ils cherchent autour d'eux. Ils téléphonent aux voisins. Ils téléphonent à la famille. Mon frère, t'es là, toi? T'es là, mon frère? Oui, je suis là. Moi, tu t'es pas enlevé, toi. Parce que les chrétiens, ils croyaient que c'était l'enlèvement. Parce qu'ils ont entendu l'enseignement de leur prédicateur. Mais cette doctrine que vous prêchez n'est pas la doctrine de Dieu. Parce que Jésus n'a jamais dit cela qu'il venait invisible. Jésus n'a jamais dit cela. C'est la religion de ce monde qui t'en exprimait ça. C'est Sophie Darby, depuis 200 ans qu'il a exprimé ça. Et maintenant, aujourd'hui, toutes les nations sont en train de prêcher cela. Mais en réalité, si nous regardons dans la Bible, Jésus, il a bien dit, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Et si je lève la tête, c'est pour le voir le Christ venir sur la nuit du ciel. Et c'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous venez en me disant que je suis à travers d'un certain personne qui sont venues sur mon mur en disant, n'écoutez pas cet homme, c'est un démon. Alors si je suis un démon à travers de ce que je dis, ça veut dire que Jésus est un démon, l'apôtre Paul est un démon, les disciples sont un démon, et la Bible c'est un démon parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est le Christ qui l'a dit, c'est les apôtres qui ont dit, quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Il n'a pas dit reviens invisible. Alors pourquoi que les chrétiens ont mis dans leur tête en disant que l'on crut de croire Jésus venir? Ça veut dire qu'ils ont pensé que Jésus est venu invisible. Ils ont pensé ça. Pourquoi ils ont pensé ça? Parce qu'ils ont reçu la doctrine. Ces doctrines de ces serviteurs qui l'ont prêché. Moi, je ne juge pas les hommes. On est tous des pécheurs. Mais moi, ce que je juge, ce que je regarde, selon ce qui est écrit dans la Bible, moi, je prêche en disant les fausses doctrines. Mais si vous m'aimez pas ce que je dis, qu'importe. Moi, je dis qu'importe. J'aime tout le monde. Je fais exception de personne. Même que les gens qui viennent m'insulter, même que les gens qui me traitent de toutes sortes de noms, moi, je vous aime. Je vous aime dans l'amour éternel. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et moi, je prêche ce qui est écrit. Et si vous avez de la haine contre moi, mais avant de me juger, vous rentrez dans la Bible, vous examinez la Bible et vous verrez ce qui est écrit. Et regardez où c'est marqué le mot « de face ».
en retour, en deux faces. Regardez la Bible où c'est marqué l'enlèvement invisible. Regardez où c'est écrit. C'est pas écrit. Pourquoi vous ne voulez pas accomplir les 318 versets de la Bible? Pourquoi vous n'accomplissez pas ce que Jésus a dit? Pourquoi vous n'accomplissez pas ce que les apôtres ont prêché? Alors Pierre, il s'est trompé? Paul s'est trompé? Le Christ, s'est-il trompé? Et en plus fort raison, les anges de Dieu, ils sont-ils trompés? Et Jésus, il s'est-il trompé en disant qu'il ne connaissait ni le jour, ni l'heure, ni les anges? Il n'y a que Dieu seul qui connaît le jour et l'heure. Et les chrétiens, ils sont troublés à cause de cette faute d'enseignement. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Je vous aime, ne me cherchez pas à me juger. Si vous voulez juger, alors regardez bien la Bible avant, examinez les Écritures, et vous verrez que nous, à travers de ce que nous prêchons, on n'a jamais donné de date, on n'a jamais donné que Jésus revient invisible, on n'a jamais dit cela. Au contraire, on prêche la Bible tout entière, avec le Christ tout entier, avec l'Esprit de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.